C'était dur. Vraiment très dur, Cole. Vous avez assuré. Bon, tout n'est pas si clair et simple qu'on le pensait. En fait, la bête est quelqu'un que je connais. Un porteur du nom de John White. John est vivant? Ouais. Mais écoute, il tue pas pour le plaisir. Il utilise ses pouvoirs comme une métasphère. Il active les porteurs potentiels et les guérit de l'épidémie. Mais il tue des gens? Ceux qui n'ont pas la chance d'être des porteurs. Il m'a demandé de l'aider, Zek. L'aider? Ton pote a tué tous mes bébés! Je sais. Alors fais quelque chose, Cole! Bien sûr. Chargé à fond. Mais qu'est-ce que t'as foutu, Zek? Qu'est-ce que j'étais censé faire? Il est cassé. Je sais pas. Je vais regarder. Wolf, il savait que ça allait arriver. Il avait prévu que je meure. J'étais pas au courant de ça. Et si j'utilise ce truc, ça va nous tuer. Tuer tous les porteurs, pas juste la bête. Sinon, c'est moi qui meurs. Avec des millions de gens. Écoute, Zek, on sait pas si l'IMS peut stopper l'épidémie. La méthode de John marche, je l'ai vu. C'est peut-être la seule personne à pouvoir encore sauver quelqu'un. Je me fous de ce qui peut m'arriver. Tout ce que je veux, c'est que cette bête meure. Tu dois prendre une décision tout de suite. Est-ce que tu vas tuer la bête? Tiens un peu tes promesses. Écoute, le plan de John n'est pas très beau, c'est vrai. Mais il est juste. Les porteurs sont immunisés contre l'épidémie. Il doit en activer le plus possible avant qu'il y ait d'autres morts. Réfléchis un peu. Je m'attendais pas à ça de la part de Kuo. Quel égoïste. Zek, tu peux le réparer? Il vaudrait mieux pour moi, non? D'accord. Allons-y. Bon sang, lâche-moi! Vous allez tous le regretter! On a de plus gros problèmes. L'IMS est pas complètement chargé. Il l'est presque, encore un peu. Passe-le-moi. Non. Tu vois cette pièce cassée, là? C'est le régulateur de puissance. Sans lui, tu le ferais cramer. C'est pas la fin du monde. Enfin, si. Mais j'ai une idée. Plus beaucoup de temps, Zek. Ok. C'est bon, je crois. Ça m'étonnerait pas que ces trucs brûlent à toute vitesse. Mais ça va le charger. Ah ben, j'espère bien. J'ai demandé à Laroche d'en semer d'autres en ville. Ah, oh, ce plan est foireux. Je sais. Fallait faire vite. Ok. Dès que l'IMS est prêt, j'appuie sur le bouton. On pourra pas se dire adieu. Oh.
Ok, les gars. Je vais prendre ce truc pour le charger. Couvre-moi, démon. Comme toujours. Vite! Tenez bon, MacGrace! Il faudrait pas que vous tombiez dans la baie! Vous avez du travail! C'est sympa. La bête se dirige vers la première sous-station. Les gars font de leur mieux pour la retenir jusqu'à notre arrivée. Charger l'IMS avant qu'elle l'atteigne. J'y suis déjà, mec. Trop tard, mec. Elle est en train de suivre l'IMS jusqu'au bateau. Allez, fais demi-tour, vite. Trop tard. Feu. Feu. Il faut qu'on y aille! Vous venez avec nous! Vous croyez que je vais laisser mes gars? Allez-y, on va se calmer pour vous! C'était le bateau de la Roche! Il va venir le chercher. Qu'est-ce que tu veux faire? Toi, tu vas en défense. Protège l'IMS coûte que coûte. Moi, j'irai avant. Thank you.
J'ai pas l'intention de mourir, Cole. Je dois le faire. C'est ton tour. Nix, c'est mort. Ah, il faut que tu continues, mon pote. Vers la sous-station de la cathédrale. Chargé. Allez, Cole. Appuie sur le bouton. Oh. Non. Non, pas tout de suite. Oh, non ! Ça va aller. Non, c'est faux. Tu as fait le bon choix. Bon sang, même Nick, ça fait le bon choix. J'avais... Non, j'ai peur. Moi aussi. On a retenu notre souffle et on a regardé. Et un par un, les monstres ont commencé à tomber. Ouais, cette IMS fonctionnait bien. On racontait même que des gens périssaient à l'étranger. Les pauvres devaient être porteurs sans savoir. Mais ça valait le coup. Parce que, pour des milliers qui mouraient, des millions allaient vivre. L'épidémie, elle avait disparu. J'entendais déjà les gens faire la fête, célébrer le fait d'être en vie.
J'avais cru que mon ami allait disparaître comme un héros méconnu. Mais ici, à New Marais, les gens savaient ce qu'il avait fait pour eux. Qui aurait cru que le démon d'Empire City deviendrait un jour le saint patron de New Marais? Je voulais lui faire mes adieux, tout seul. Il avait été mon meilleur ami, et maintenant il était mort. Parfois, j'entends des gens parler des porteurs et des humains comme si c'était des races différentes. Foutaise! Parce que je ne connais personne de plus humain que Cole McGrath. Je t'aime, mon frère. Et tu vas me manquer. See you.